Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom, c'est l'épisode de Robocraft, un épisode de construction, chers amis. On va essayer de faire un épisode avec lequel, un robot, dans lequel on pourra voler tout en étant le plus safe possible. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez bien voir, chers amis, tout de suite. Et donc un épisode aussi, enfin j'en parle pas aussi, c'est pourtant le plus important. Un robot surtout qui nous permet de voler et de sniper. Voilà, je précise quand même. Donc, l'objectif du robot, ce sera d'être solide et à la fois compact. Compact suffisamment pour pouvoir tout simplement utiliser les différentes... Les différents types de mouvements, pardon, voilà, je vais y arriver. Hop. Où est-ce que je pars sur une base de 3? Peut-être pas plus mal, une base de 3. Ouais, on va faire ça comme ça, je pense. Hop. Est-ce que ça marche, ça? À tout hasard. Ça marche. D'accord, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Hop. Ok. C'est du concept, hein. J'ai encore rien pensé, rien imaginé là-dessus. Hein. C'est vraiment du au pif, chers amis. Hein. Ok. Partir là-dessus. Hop, voilà. Peut-être sur le principe, on pourrait dans un principe de beauté placer ce genre de cube. Non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Ok, donc là pour l'instant on a une base, on va dire une base assez simple. Certains d'entre vous m'ont dit que ça en fait c'était pas forcément utile. Je suis curieux de voir si c'est vrai. C'est vrai que dans notre système, qu'on n'a pas de... Oui, donc c'est pas utile. Non, c'est moi qui raconte des conneries au final. C'est pas utile, c'est pas utile. C'est parfait, là. Parce que si c'est pas utile... On n'a aucune raison de le mettre. Donc. Hop. Ok, là il y a une couille dans le pâté, oui effectivement, il y a une couille dans le pâté. Ok, parfait. Est-ce qu'au niveau de la propulsion je peux en placer ici? D'accord, je peux. C'est intéressant. Vaut-il mieux le placer en avant ou en arrière? Telle est la question. Limite, je peux faire les deux. Voilà. Voilà. Bon. Alors, est-ce que déjà ça, ça vole? Ce serait pas mal. Est-ce que déjà ça, ça vole? En train de réfléchir à ce que je peux rajouter. Ouais, allez, on va déjà voir si ça vole ou pas. Alors, est-ce que ça vole ou pas? Bah, c'est bien, oui. Ok, sans armement, jusque-là, ça vole. Il faudra juste qu'on pense un petit peu. Et il est extrêmement agile, jusque-là. Même un petit peu trop, ce qui le rend assez incontrôlable, en fait. D'accord, donc ça, de toute façon, ce sera au niveau de l'équilibrage. Pour l'instant, on a juste une brique volante, hein, pour l'instant. C'est pas magique, hein. Ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc ça, c'est fonctionnel, chers amis. Maintenant. Je vais avoir besoin... Hop.
solidité. Et là, je vais potentiellement avoir besoin aussi d'un petit... Hop. Hop. Ok. Parfait. C'est plus ou moins ce que je voulais obtenir. Maintenant, je voudrais vérifier quelque chose. Au niveau des mouvements, au niveau de ces pièces. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Tout fonctionne à merveille. Mes prévisions étaient plus ou moins bonnes jusqu'ici, en tout cas. Donc je précise, chers amis, que c'est une réclamation faite par l'un d'entre vous. Il voulait un robot absolument efficace. À la fois en vol. Et en sniper et en likes, donc, du coup. Pour l'instant, je ne peux pas le mettre. Il faut que je mette d'abord, hop, ceci. Du coup, on va essayer d'en faire un. Apparemment, c'est le genre de robot qui vous plaît. Bon, bah écoutez, on va partir là-dessus, alors. Hein. Hop. Ici, donc. Pas dans ce sens là que j'aimerais que tu ailles. On va essayer autrement. Et oui, effectivement, c'est moi qui suis dans la colle. donc. Est-ce que je peux pas le passer? Non, je peux pas le passer, ce truc là. Bon bah ok, pourquoi pas. Par contre, ça passe ou pas? Non plus. Ok. Et là, non plus. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon bah, écoutez, tant pis. Crac. Voilà. Ça me permet d'ajouter une de 3 ici. Hop. Crac. Crac. Une de 3. Ah voilà, c'est pas le bon cube. Hop, voilà, là c'est bon. Crac. Ok. Ok, ok. Là, c'est plus ou moins ce que je voulais obtenir. Voilà. Hop. Voilà. Normalement là ça passe plus celui-là. Parfait, c'est bien ça. Ok. Là ça va faire pareil. Et c'est tant mieux. Ok, pour l'instant je suis bon. J'obtiens ce que je voulais comme résultat. Hop. 1, 2. 1, 2. Il faut que je puisse placer, voilà, les deux autres en dessous de la même manière. Parfait. Voilà, donc une propulsion qui soit plus que correcte. Et donc un système de vol qui soit efficace. Pour l'instant, on obtient les deux. Je vais quand même cependant essayer de garder le plus longtemps possible, par principe. Voilà, c'est comme ça. Hop. Hop. Parfait. Voilà. Ok. J'ai pas fait le tour ici. C'est une erreur de ma part. Hop. Crac.
Ok. Oups. Voilà. Ok. Donc, vérification. Est-ce que ça fonctionne niveau propulsion maintenant, chers amis? Sans armement toujours. Hein. Juste avec un mode de déplacement alternatif et une longueur forcément rajoutée. Ce serait bien que ça fonctionne, à vrai dire. Il y a déjà un peu plus de difficulté. Mais ça me semble efficace. Quoique non, il ne vole pas correctement. Peut-être qu'il va falloir ajouter quelques boosters à l'avant, vous savez, pour rediriger le robot en fonction de mes mouvements. Enfin, des mouvements que j'aurais choisis. Donc, juste par pur essai, je serais tenté, justement, c'était prévu déjà à la base, de partir sur de plus gros boosters sur les surfaces, entre guillemets, isolées. On va faire le test, hein. Là ne passeront pas. Normalement, ceux d'en dessous passeront. Voilà, c'est ça. Ah, là, ça passe pas. C'est rigolo, ça. Attends, il y a exactement la même quantité de cubes. Bah, du coup, ça pourra nous permettre de gérer peut-être notre... Oh, bah non, quoi. On peut laisser... On peut partir comme ça, toujours. On peut garder une vitesse de ce principe. Enfin, un système de comme ça. Et on verra ce que ça va donner. Ah, parce que c'est mieux niveau vol, planer comme ça. Enfin, niveau vol, en règle générale. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Un petit peu, mais on n'est pas aussi précis que le Eagle. Hein. On est loin d'être aussi précis que le Eagle. Et il a une façon de voler qui est plus... de la... Oh, quoi que... Bref. Je pense que si on écarte un petit peu, qu'on... Je vais essayer quelque chose. On va bien voir. Si, au final, j'inversais. Ah, je peux pas en rajouter une là. D'accord. Bah écoutez, on va la rajouter nous-mêmes alors. Si je plaçais ça comme ça... Et ça comme ça. Est-ce que là, en rajoutant toujours la propulsion, est-ce que là le robot est plus efficace en vol? Là ça pourrait être intéressant. Là si c'est plus efficace, ça pourrait être une très bonne chose. Hein. Peut-être qu'il n'acceptera pas de voler, hein. Simplement. C'est ric-rac, hein. C'est ric-rac. Peut-être qu'en propulsant à l'avant, on va essayer d'en placer un petit peu, histoire de faire un test. On va placer des petits, déjà pour commencer. Enfin, peut-être pas des petits, plutôt des moyens. Ah, c'est dans la catégorie verte. Hop. On va essayer ça, on va bien voir. Hein. C'est un simple test pour l'instant, chers amis. On va bien voir, hein, si c'est efficace après tout, pourquoi pas. Ah. Aha. Eh bien écoutez, chers amis, ça me semble plutôt efficace. Après, il va falloir forcément correctement le manier, hein. Apprendre un petit peu à l'utiliser. Hop. Ah la vache, ça va être compliqué. On va bien voir, hein. On va apprendre hein, au fur et à mesure. Hein. Mais jusque là, puis il a une vitesse de pointe à pied qui est assez intéressante.
Jusque-là, il me plaît. Jusque-là, il me plaît. Bon, on est à combien de flops? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme armement dessus? Vous avez réclamé du snipe, chers amis. Vous avez réclamé du snipe. Alors. Est-ce que par principe, bien sûr, ces cubes-là ne passeront pas. Mais ces cubes-là, normalement, devraient. Parfait. Il faudra revoir aussi l'emplacement du coup de ces propulseurs. Histoire de nous assurer que ils seront suffisamment en avant. Est-ce qu'en plaçant hop, juste quelques cubes là, je peux. Parfait. Ok. Ça, c'est génial. Ok. Donc on peut continuer à avancer le robot légèrement. Je précise, légèrement. Là, on ne pourra plus, par contre, oui, forcément. Ça me semble logique. Est-ce qu'on peut réduire au maximum, du coup on va dire. Voilà. Et ici, est-ce que ça passerait? Ça passe. Parfait. Là aussi. Parfait. On comble un maximum les trous. Donc là, forcément, ça va être impossible à combler. sauf si, peut-être. Non, impossible. Ok, pourquoi pas. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Ok, on va commencer par finaliser l'avant. Avant d'aller plus loin. Cela me semble être une bonne chose, surtout une nécessité de le faire le plus rapidement possible. En plus, je peux potentiellement recacher ça. C'est parfait. C'est parfait. Alors, terminons ça. Si je pouvais... Tout simplement, peut-être que je vais faire ça comme ça. Hop. Crac. Voilà. Hop. Est-ce qu'on y met, chers amis? Est-ce qu'on y met une tête? Est-ce qu'on y met une tête? On a acheté la carapace de tortue, la tête de tortue. Peut-être qu'on pourrait essayer de la poser. Hop. Peut-être qu'on devrait essayer de la poser, même, je dirais. Non, déjà, je vais essayer de poser ça. Non, c'est celui-là que je voudrais poser. Hop. Pour m'assurer hein, d'un maximum de solidité, chers amis, tout simplement. Hein. Non, ça, ce sera ça. Hop. En attendant, crac, voilà. Hop, et hop. Essayons de poser cette tête de tortue. Je pense qu'elle va pas pouvoir prendre beaucoup plus, hein, de toute façon. Ah si, elle a des oreilles quand même, hein. Une tortue volante. Si là on touche pas quelque chose d'épique. Hop. Il va falloir un plus long coup que ça, hein. Les tortues ont un long coup, c'est bien connu. C'est vrai en plus, hein. Les tortues ont un extrêmement long coup, si je me trompe pas. Hein. Enfin, au moins certaines. Certaines. Comment. Variétés. Enfin, pas variétés, plutôt espèces, pardon. Apparemment, faut que j'avance encore d'un cran. Hein. On va essayer de faire ça au mieux, hein. C'est ça? Apparemment c'est ça, effectivement. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu à vrai dire. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Moi je suis preneur. Alors. Hop. Crac. Voilà. Et donc pour ce qui est de la queue, on va revenir dessus un peu plus tard. On va d'abord finaliser entièrement l'endroit
de ce côté-là. Ce qui veut dire qu'on va y placer forcément quelques nouveaux cubes. Pas celui-là, déjà. Oui, non, je suis stupide, c'est celui-là que je cherche. Hop. Crac. Ok. Bon. Maintenant, vous devez sans doute vous dire qu'il manque de l'armement. Effectivement, il en manque. Nous allons donc le placer. Hop. Ah, c'est dommage, ça aurait été un très bon endroit pour placer un sniper ici. Mais il risque d'être un petit peu court en fait sur la hauteur. Dommage. Peut-être que si je place ici, hop. Non, ça veut pas. Ah, dommage, 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 dommage. Dommage, dommage. Allez, je le sens pas là, ça va pas passer, c'est clair. Ça va clairement pas passer. On va essayer quand même. Voilà. De toute façon, il manque de la largeur. Parfait. Bon, bah maintenant je suis au courant. Les grosses têtes, ça ne passe pas. hop. Ici, je mets un cube classique. Enfin, un cube comme ça. Et ça passe comme... comme papa dans maman. Je sais que vous n'avez pas cette expression, chers amis. Oh, putain. Ah, je me marre. Je me marre. Je suis désolé, je me marre. Hop, parfait, ça passe. Ok, est-ce que là, tiens, à tout hasard... Est-ce que là, à tout hasard, nous avons suffisamment d'espace entre les deux pour pouvoir placer un snipe? Oui, ça passe. Parfait. Parfait, parfait. Plutôt que de placer ça, si je mettais... Oula, ça c'est pas prévu par contre. Si je mettais ce genre de choses là, hop. Crac. Avec à nouveau deux snipes, ça va être trop proche, c'est ça? C'est ça. Hop. Cependant, je peux peut-être... Oui, je dois pouvoir le faire en plus, c'est génial. C'est faisable. Ok. Parfait. Oh bah pourquoi? Pourquoi? Un jeu! Jeu pourquoi? Oh putain. Oh mais non, mais c'est débile. C'est d'une débilité. Oh là là. Hop, si je fais ça, là, est-ce que tu veux bien? Non. Alors, certains m'ont dit d'essayer de faire l'inverse. De la placer à l'envers. Ils m'ont dit que si je la plaçais comme ça, par exemple, et qu'ensuite je mettais l'arme, des fois ça marchait. Oh putain, vous êtes des génies, chers amis. Vous êtes des génies. Oh la gueule. Oh, ce jeu, des fois. Ce jeu, des fois. Oh là là. Bon, c'est pas grave. La queue, donc. La queue, la queue, la queue, la queue. Oh là là, ce jeu me tue, des fois. Ce jeu me tue. Ce jeu me tue. Bon, c'est pas grave. Il va falloir que je remette les ailes aussi. Hop. Oh là là, ça passe. C'est tellement ça. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul, chers amis. Faut vraiment que j'ai plus foi en vos conseils. Hein. Hop. Ok, ça passe plutôt bien. Ici par contre ça va moins bien passer. On remet comme de l'autre côté un cube ici. Hop. Et je vais essayer d'analyser combien de cubes j'ai mis en face en fait. Donc alors. Il est bien en dessous donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubes, jusqu'à 7 cubes. Donc je peux en rajouter jusqu'à 7 à l'arrière pour garder un équilibre. Ah. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Si c'est nécessaire. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est être sûr de les rajouter. Voilà. Même ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais, hop, je vais placer la limite direct. Comment? Comme ça, hop. Ce qui fait que je ne peux pas mettre plus de cubes. Vous voyez? Hop.
Attention de ne pas rendre le vaisseau trop lourd. Enfin, le robot trop lourd. Ce serait véritablement dommage. Hop. Ok. Alors, maintenant qu'on a placé plus ou moins ce qu'on voulait faire à la fin, on va aussi essayer maintenant de placer autre chose. Hop. Alors, on a combien? On est à 4. On va mettre 5. Et on va replacer un cube comme ça. Vous lui dites, mais tu pètes une durite, Marcus. Ça ressemble pas à ce que tu voulais faire dès le départ. Et effectivement, ça n'y ressemble pas. Malheureusement, ça va être une nécessité. Il va falloir donc qu'on rajoute des cubes qui seront solides. Sans pour autant prendre trop de poids. J'ai besoin de 5. Sachant qu'il faut que je m'assure que ça vienne de là. 1, 2, donc. 3, 4, 5. Parfait. Ok. Et là, alors il faut vraiment que je m'assure que ça ne pèse pas de poids. Hop. Faut pas que ça pèse le moindre gramme. Alors, 1, 2, 3 donc à casser ici. Voilà. Hop. Tout simplement parce qu'en fait, on va avoir besoin de rajouter de la hauteur sur ce moment du robot, tout simplement. Hauteur qui nous permettra de façon de replacer encore des snipers, vous voyez, légèrement plus haut au niveau de la quantité de cubes. Donc là on va être de 1, 2 cubes de plus haut, donc on va essayer de placer 2 cubes plus haut aussi, ici aussi. Voilà l'objectif. L'objectif ce serait de les placer ici. Encore que je peut-être que j'ai chié. Peut-être que j'ai... Non c'est bon, regardez, hop. Et là je garde ma forme. Parfait. Donc là on est un cube plus haut. Deux cubes plus haut. Non, il va nous falloir faire quelque chose pour ici. Ça risque d'être très très moche. Effectivement, ça l'est. Comment vais-je pouvoir faire ça? Hop. Tout simplement sans m'embêter en fait, comme ça, ce serait parfait. En essayant quand même d'être intelligent, ce serait pas mal. Et si je tentais... Hop, ceci, hop, avec tout simplement le même cube qu'ici, ici. Est-ce que ça passe visuellement? C'est pas trop moche. Visuellement, c'est pas trop moche. Et donc, normalement, ici, je suis censé pouvoir mettre... Même si je pouvais d'ailleurs le mettre un poil plus tôt. Hop, comme ça, je place un cube ici classique. Crac. Hop. Et je suis censé pouvoir mettre mes snipers. Voilà. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de joindre les deux bouts, littéralement. Hein. Hop. C'est-à-dire que je vais réduire au maximum la taille prise par le robot à l'arrière. Oula, je crois qu'on était en manque de flop. Ouh. Hop. Ça va être parfait, je le sens là, ça va être vraiment parfait. Regardez ça. Regardez ça si c'est pas parfait, chers amis. Je peux même si je le veux, hop, voilà. Hop. Hop. Clac. Voilà, bon. Alors maintenant on va faire un test de vol. Hein. Faut qu'il puisse continuer à voler.
Hop, merci. Il faut absolument qu'il continue à voler. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Croisez les doigts, serrez les fesses. Croisez les orteils aussi si vous pouvez. Hein. Moi, je le peux. Hein. Je le fais avec les 5 d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est parce qu'on a du talent. De toute façon, tous les gens de la Playroom. Tous les Playroom. Comment. Il y en a l'un d'entre vous qui m'a vous appeler les Playroomers, je crois. Vous voyez, là, ils volent beaucoup moins bien. Il va falloir un peu plus de propulsion, chers amis. Ils volent beaucoup moins bien. Il va falloir qu'on modifie la propulsion à l'avant, voire qu'on l'augmente. Ainsi que le reste de la propulsion d'ailleurs. Est-ce qu'on peut pas justement, d'ailleurs, en parlant de propulsion, passer sur un peu plus gros modèle à l'arrière? Et peut-être... peut-être essayer des choses un peu plus pertinentes à l'avant. Ah, on déplace les flops. On dépasse, pardon, les flops. Essayons comme ça. On a un peu plus de propulsion à l'arrière, ce qui pourrait nous permettre un vol plus droit, en fait, tout simplement. Vous savez, un peu moins de type... un peu moins de planage, on va dire, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit, planage. Ah, c'est pas suffisant, si. C'était un petit peu juste. C'est même clairement un peu juste. Ok, alors faut qu'on règle ça. Faut qu'on règle ce problème. Et pour cela, il va falloir qu'on déplace, chers amis, certains propulseurs. Voilà, de cette manière. Qui veut dire que ceux-là, faut que je les supprime. Sinon, on n'est plus équilibré. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être en rajouter un ici. Non, pas du tout. Ou alors simplement deux ici. Et ici. Ça, ça pourrait être bon. Ça pourrait peut-être être mieux. On va essayer. C'est comme ça, hein, chers amis. On va essayer de faire des tests. Et on va continuer à faire des tests et on va voir si oui ou non, il est possible qu'ils volent de manière correcte. Tout simplement. Il y a du mieux. C'est pas encore tout à fait ça. C'est pas encore tout à fait ça, mais il y a du mieux. Et l'avantage, vous voyez, c'est que quand je propulse vers le bas, il aussi, lui aussi, me penche légèrement en avant. Donc ça, c'est pratique. Ça, on peut sniper devant nous, enfin en tout cas plus près de nous. C'est une bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Cependant, le vol n'est pas encore tout à fait pertinent. Il n'est pas encore tout à fait efficace. Et ça me gêne. Ça me gêne, je l'admets. Je l'admets volontiers. Hop. Donc nous sommes actuellement avec des niveaux 2. Si on passait à des niveaux 3, est-ce que ce serait possible ou pas? Ça passe pas de ce sens là. Si je le passe comme ça, ça ne passe pas non plus. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Comment vais-je faire? Ça touche de peu, certes, mais ça touche. Ah, attendez. Peut-être que je peux faire ça comme ça. Essayons. Faisons un essai. On verra bien si c'est efficace ou pas. On va bien voir. Non, clairement pas efficace. Pas efficace dans tous les sens du terme, d'ailleurs, hein. Soyons honnêtes. Alors, si déplacer tout ça ne sert à rien. Non, hop. Si c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Faut peut-être qu'on revoie tout simplement l'emplacement de certains de nos trucs de mouvement.
Si, genre, est-ce qu'il est possible pour moi d'en remplacer là? Je supprime cela. Cela, je les replace de manière centrale. Et surtout ici. Voire même, je supprime ces deux-là et je les place là. Est-ce que le jeu l'accepte déjà? Est-ce que au niveau du vol, c'est mieux? C'est possible que ce soit mieux. Hein. Le fait de le déporter rend l'avion un peu plus agile normalement, mais aussi ben, un peu plus fragile techniquement. Vous voyez déjà la différence? Ok. Bon, on va arranger ça tout de suite. On arrange ça et on partira dans le prochain épisode avec pour le tester, ce robot. Et on verra bien si oui ou non il est efficace. Ok. Esthétiquement parlant, on remodifie tout ça. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Faut que je m'avance. Et on va pas avoir assez de flops pour le faire. Donc bah écoutez, on va rester sur le principe comme ça. Et on va placer un 3 à l'arrière pour solidifier la chose. Et là, on va placer par principe hop, ceci. Ok. Bon, niveau couleur. Mouais. Si on partait sur un classique. Un classique carbone. Avec un petit peu d'orange. Si on le passait en vert plutôt, peut-être. Non. Si on faisait un petit jeu de lumière, tout simplement. Si je peux appeler ça un jeu de lumière, vous voyez, c'est juste quelques pièces un peu plus claires. Légèrement plus claires. Voilà. On a quelques pièces légèrement plus claires et passer sur beaucoup plus clair sur la partie inférieure. Ok. C'est fait exprès. Et c'est tant mieux si ça se voit à l'avant. Hop. Voilà. Bon. Ben on le testera, chers amis, on le testera dans le prochain épisode. En tout cas, je pense qu'il va être un peu plus efficace et j'espère qu'il correspond à vos critères, vous m'avez demandé, un sniper volant. Voilà, donc les amis, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de l'Apéro, vous apporterez bien dans la barre de la chaîne. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à nouveau de Free Jam. Je vous rappelle qu'il m'avait répondu en me disant que j'avais pas 2000 abonnés. Bon, bizarre, hein, très bizarre. Donc je leur ai renvoyé une requête, je n'ai pas de nouvelles depuis, ça doit faire 3 ou 4, 5, ça doit faire à peu près 5 jours que je l'ai envoyé. Bon après avec les différentes mises à jour j'imagine qu'ils ont beaucoup de boulot eux aussi. Donc voilà, bah écoutez on verra bien s'ils me répondent à nouveau. En tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo.